Voici le jour, c'est votre tour, le jour des premiers, le JDP. La première du Bénin au CAP 2018, toutes filières confondues, est Fadonugbo Senami Innocentia Mariette du complexe scolaire Kamara Lai dans la commune d'Abomey-Calavi. Elle a obtenu la moyenne de 18,60 sur 20. Voici ses notes. Anglais, 15 sur 20. Dictée et questions, 15,50 sur 20. Techniques administratives, 18,50 sur 20. Comptabilité, 19 sur 20. Initiation économique et juridique, 20 sur 20. Et mathématiques appliquées, 20 sur 20. Au Bénin, au CAP 2018, toutes filières confondues, 6316 candidats ont composé. 3629 candidats sont admis et 2687 candidats ont échoué. Écoutons ici les secrets de réussite de la première du Bénin au CAP 2018. Elle est livre au micro de René Nana, le président de l'ONG, le jour des premiers. Pour le CAP 2018 que j'ai eu à passer, les trois matières principales sont la comptabilité qui est coefficient 5 et la mathématique appliquée qui est coefficient 3 et puis l'anglais qui est coefficient 2. En comptabilité, je tiens d'abord à comprendre bien le cours, à comprendre l'explication du professeur et puis arrivé à la maison, je reprends le cours, je lis le cours. Je fais des exercices pour pouvoir mieux améliorer l'explication. Je fais des recherches personnelles. Et lorsque je ne comprends pas le lendemain, je viens voir le professeur M. Saint-Jospedi, qui est permanent dans l'école. Et puis, il m'aide à mieux comprendre encore. Il y a deux mathématiques qui sont rejointes. En une seule mathématique, il y a la mathématique générale et la mathématique financière. Il y a deux professeurs qui nous gardent aussi différemment dans les deux matières. Et puis bon, j'essaie d'abord de comprendre le cours comme je l'ai fait en comptabilité. Et puis, je fais des exercices, des applications dans des livres. Et je m'en sors. Donc, de façon précise, comment se déroule une journée de Innocentia du réveil jusqu'au prochain réveil? Comment est-ce que tu te comportes dans la journée? Comment est-ce que tu occupes ton temps en matière d'études ou de loisirs? En matière d'études, je me réveille très tôt pour apprendre les cours de la matinée, faire des exercices. Et pendant la soirée, je relis les cours que j'ai eu appris dans la journée. Puis, je n'ai pas de loisirs particuliers, mis à part la lecture et la prière. Donc, en gros, il faut faire beaucoup d'exercices après avoir bien compris les cours en classe. Le jour des premiers, le JDP.